Le roi Charles III a été averti de ne pas avoir de crise de colère en ce qui concerne ses relations avec le duc et la duchesse de Sussex. Le roi Charles III a été invité à garder son calme et à éviter les crises de colère dans son traitement des affirmations en cours du prince Harry au sujet de la famille royale. Cependant, le roi a maintenant été averti de sa mesquinerie perçue qu'il a, dans le passé en de rares occasions, dirigée vers son fils cadet. L'observateur royal Kristen Meinzer a averti le roi qu'il devrait surveiller ses crises de colère sur les Sussex. Madame Meinzer a déclaré à Insider. Pour ensuite voir cette mesquinerie dirigée contre son propre fils, il doit faire attention à l'avenir pour ne pas avoir l'air d'être mesquin et avoir des crises de colère. Madame Meinzer décrit l'expulsion de Meghan et Harry de Frogmore Cottage comme l'un des petits moments du roi. Malgré cela, Madame Meinzer a ajouté que le roi avait fait un choix approprié pour inviter Harry et Meghan au couronnement. Madame Meinzer a ajouté que c'était la bonne décision, à la fois en tant que monarque et en tant que père du prince. L'observateur royal a ajouté que, comme beaucoup de gens, le roi voudra que son fils soit présent lors d'une journée aussi importante. Madame Meinzer a ajouté, il n'a que deux fils. C'est probablement le jour le plus important de votre vie professionnelle si vous êtes Charles. Elle a ajouté que Charles avait attendu cela toute sa vie, ajoutant que le couronnement est l'alpha et l'oméga.